compagnie, comme toujours, de... Monsieur Jean-Claude Buffy. Oui, c'est bien fait avec le jab de David Hay, ici. Jean-Claude, comment un boxeur parvient-il à mettre une telle puissance dans un direct? Eh bien, le boxeur doit avoir de bons appuis et effectuer le transfert du poids du corps pour donner toute l'efficacité à son direct. On l'a entendu claquer d'ici, super crochet. Le direct du droit qu'on attendait. Il cherche la tête, mais c'est raté. Grosse, grosse droite, vraiment. Se relève après ce coup qu'il a envoyé au sol. Maintenant, il faut qu'il évite la confrontation, qu'il utilise son jeu de jambes pour rester hors de portée des coups adverses. On voit bien qu'il l'accroche. Il marque un point avec ce direct du droit. Et ensuite crochet. Ouh, l'uppercut. Non, il ne touche pas. Il est touché, mais il touche à son tour. Et il enchaîne. David, hey, il a été sonné par ce coup, mais on dirait qu'il a déjà récupéré. Allez, on se désaxe, on est mobile. Ça passe à côté. Ouh, il a bien fait de la bloquer. Berkut qui passe, il n'est pas au mieux là. C'est pas mal. Continue à bien varier tes coups. Oh, cet enchaînement de Hay, il était parfait. Et la droite de Vladimir, énorme, c'est super. Il cherche à faire mal dès les premiers rounds. Le combat risque d'être abrégé. Oh, il a mis tout son poids dans ses derniers coups. C'est un gros puncher, le camp adverse a de quoi s'inquiéter. Il est sonné, David Hay, et durement en plus. Il faut tenir maintenant, il faut tenir. Il arrive à se relever après ce coup, mais le plus dur est encore à venir, non Jean-Claude? Il va falloir tenir maintenant, il va devoir utiliser toute la surface du ring et se mettre hors de portée de coups. Les deux qui passent. La remise qui touche. Il encaisse, mais il place une bonne gauche derrière. Arahim qui chancelle, incroyable, c'est une vraie surprise dans ce combat. Pourra-t-il tenir désormais? Elle s'est vue un peu trop facile et a offert une ouverture à son adversaire. C'est bien évidemment mangé du coup qu'il avait reçu. Il est déchaîné, trois coups à la suite. Et il l'accroche. Il touche en haut avec sa droite. Il va falloir qu'il soigne la précision. Allez, double-moi la prochaine charge. Ouh, l'uppercut à la pointe du menton. Un coup qui n'arrive pas. Oh.
your winner, Vladimir, Dr. Steel Hammer Klitschko.